Salut salut les amis, c'est Fut for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, défi création d'équipe, DCE live et comme tous les soirs de Ligue des Champions, le petit défi de la Ligue des Champions. Demain, je ne sais pas s'il y aura les grosses affiches, sachant qu'il y a que deux affiches. Mais en tout cas, il y a le défi de Ligue des Champions, ça ribole pour récupérer un pack joueur rare mélangé. Donc les amis, il est assez simple, je vous l'ai fait en deux fois. Soit on fait ça qu'avec des joueurs or, le prix ne bougera pas, mais c'est largement plus cher. Soit on fait ça avec des joueurs argent. Donc on fera les deux, moi je vais le faire avec des joueurs argent, comme ça je vendrai le reste. Mais les amis, pour ce défi-là, il fallait 8 joueurs d'un même championnat maximum, 4 joueurs d'un même club minimum, 1 joueur de Ligue des Champions, rare ou commun, une note générale, 8 joueurs rares et une note générale à 70 avec un collectif à 85. Donc j'ai 87, j'ai 2 joueurs paquets, donc on est bon. Donc en gros les amis, il faut 4 joueurs de même club. Donc vous prenez par exemple l'Ajax, 1, 2, 3, 4. En gros, hein, bien entendu. Et après, vous faites les 5 joueurs du même championnat, donc là c'est championnat des Pays-Bas. Et après tout le reste, c'est un autre même championnat. Donc là, j'ai pris l'Espagne, par exemple. Le prix des joueurs rares, honnêtement, c'est quasiment le même que vous le preniez en... Peu importe le championnat, c'est le même prix. 1000 crédits, voire 1100, voire 950. Enfin, voilà, ça dépend un peu. Donc, il y a 8 joueurs rares, parce qu'il en faut 8. Donc, 8 fois 1000, ça fait 8000. Et après, ben, les 3 autres, vous voyez, 750. 700. Et 800. Donc ça fait du 2300 crédits en plus, ça vous fait 10 000 crédits. Donc je vais vous donner cette solution là et après je la fais avec les joueurs que j'ai acheté au moins cher possible. Vu qu'il faut une autre cash 70 et vu les prix des joueurs hors rares, c'est pour ça que je me suis permis de le faire avec des joueurs bronze et argent. Donc on commence les amis, donc 10 000 crédits environ pour ce défi là. On commence avec Yago Herrerin, Oscar De Marcos, Unai Simon, Papakouli Diop, German, Alfonso Pedraza, Lisandro Martinez, Edson Alvarez, Mohamed Kudus, Myron Boadou et on termine avec Sébastien Haller. La version Ligue des Champions. Donc voilà, 10 000 crédits minimum pour ce défi là. Je vous montre ce que j'ai fait avec d'autres joueurs bronze et argent. Donc j'ai pas de joueurs paquet les amis, les prix sont les vrais, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir avec, avec le prix de 10 000 crédits comme on a payé tout à l'heure. Donc là c'est pareil, il fallait 4 joueurs donc du même club. J'ai pris un club, je connais même pas le club. C'est ce club là du Mexique, c'est Puebla. Donc voilà, en gros, Puebla. Donc vous voyez, j'ai aucun joueur paquet. Et là, les amis, ça n'a rien à voir le prix. Franchement, deux fois moins cher, c'est sûr. Donc, 8, pareil, hein, les mêmes 5, les 5 joueurs du haut, même championnat. Les 6 autres, même championnat également. Donc, on commence, les amis, je vais compter en même temps que vous. Avec Simon Mignolet, la version Ligue des Champions. Kenny Stepe. Hannes Delcroix. Mori Konaté. Sacha Kotich. Eik Bansen. Clifford Aboadji. Pablo González. Pablo López. Santiago Ormeno et on termine avec Amaury Escoto. Les amis, on est à 4000 crédits. Donc là, cette solution là, elle est à 10000 crédits. Cette solution ici est à 4000 crédits. Donc les amis, je vous propose ça. Hein. Vous faites comme vous le sentez. Si vous avez des joueurs dans votre club, bah, tant mieux. Sinon, je vous conseille de faire avec des joueurs bronze et argent parce que c'est vraiment, alors vraiment pas cher du tout. Voilà, juste vous débrouillez pour choper un joueur de Ligue des Champions. Après tout le reste,
Vous faites les 5 joueurs autour et les 5 autres joueurs d'un autre championnat avec 4 joueurs du même club minimum. Donc voilà, moi je vais soumettre cette équipe là parce que je vais gratter des crédits en vendant mes joueurs hors. Et voilà, j'espère que vous avez compris le principe. On soumet l'équipe, on va aller ouvrir notre pack joueurs rares mélangés. Donc c'est pas la folie, vraiment, en plus c'est pas vendable. C'est vraiment pas un pack de fou, mais bon. Pour 4000 crédits en même temps. Allez, c'est parti. Pack joueur rare mélangé, 12-4-12. Donc il y a moyen quand même d'avoir de choper de, quelque chose de sympa ici. Mais ce ne sera pas le cas. Hein. Comme toujours, j'ai envie de dire avec ce compte-là. C'est gêné. Bon, encore. Bon, il servira vu qu'il faut des 82 pour le TOTS EFL garantie. Donc voilà. Bon, c'est pas vendable donc on dégage. Hop. Et hop. Lui non, lui oui, lui non et lui oui. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant les amis, prenez bien soin de vous. Ciao et merci.